On n'a pas le temps de réfléchir. Gardez vos conseils pour lundi. Actuellement, je suis dans le bruit. C'est le week-end. On n'a pas le temps de réfléchir. Gardez vos conseils pour lundi. Actuellement, je suis dans le bruit. Je veux, oh, je veux. Je veux, oh, je veux. Je veux, oh, je veux. Moi, je veux m'amuser. Je veux, oh, je veux. Je veux, oh, je veux. Je veux, oh, je veux. Moi, je veux m'amuser. J'ai grouillé du lundi au jeudi. Maintenant, je suis chargé. Aujourd'hui, vendredi, je veux plus rien savoir. Cigare, champagne à gogo. Sans oublier les buvins de body. En passant par la chicha, nous on est lancé. C'est le week-end, on n'a pas le temps de réfléchir. Gardez vos conseils pour lundi, actuellement je suis dans le bruit. C'est le week-end, on n'a pas le temps de réfléchir. Gardez vos conseils pour lundi, actuellement je suis dans le bruit. Je veux, oh, je veux. Je veux, oh, je veux. Je veux, oh, je veux. Moi je veux m'amuser. Petit loto, j'ai gagné là. Conseil ne finit pas. Okay. J'ai compris, mais l'argent mes parents ont gardé pour moi là. Après le départ, ce sont mes hommes qui ont bouffé ça. Les enfants, excusez-moi, oh, chacun n'a qu'à se débrouiller. Aucune brique n'ira au village avec un baudrin pareil. Messieurs les conseillers, le président a besoin de vous. Aujourd'hui c'est vendredi, moi je veux rien savoir. Chez nous à Yopougon, on ne travaille pas pour réaliser. Jésus a tout payé à la fois, ma maison est déjà au paradis. Je veux, oh, je veux. Je veux, oh, je veux. Je veux, oh, je veux. Moi, je veux m'amuser. Quand je n'ai rien, j'écoute. Quand j'ai l'argent, j'entends plus. C'est pas de ma faute, mes oreilles sont bizarres. Conseil pour lundi, actuellement je suis dans le bruit. C'est le week-end, on n'a pas le temps de réfléchir. Gardez vos conseils pour lundi, actuellement je suis dans le bruit. Je veux, oh, je veux. Je veux, oh, je veux. Je veux, oh, je veux. Moi je veux m'amuser. Je veux, oh, je veux. Je veux, oh, je veux. Je veux, oh, je veux. Moi je veux m'amuser. À Cocody, c'est les Champoupou. À Makori, c'est les Chenet. À Bobo, aïe au bougon, c'est la bière. Faut pas oublier Poco, sauter les bénis, bien pimenté. La commune, c'est la banque. Sans oublier Koumassi et ses moustiques. La chanson s'appelle Conseil le week-end de l'artiste Mala qui s'installe là sur le, autour de la table d'Allume la télé. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints et d'allumer la télé. Bien sûr, ce soir, notre compagnie, c'est le dernier jour de la semaine, on va dire semaine active. Donc pour lancer le week-end, du rire, des chansons, des talents, des programmes qu'on va se partager dans une très très belle, une bonne humeur grâce à nos humoristes présents mais aussi à la sympathie de nos invités. Je suis gâté d'avoir en public ce soir, en ce vendredi, IYF, la jeunesse de IYF qui est l'International Youth Fellowship. Merci beaucoup. Les amis. Système Organisation, bienvenue. J'espère que vous allez bien à la maison. Ça va, Mala? Mala? Oui, ça va super bien. Mala qui nous a servi en titre, c'est le week-end, on ne donne pas de conseil. On ne donne pas de conseil, abrégé ODPC. ODPC, d'accord. Tu fais comme les rappeurs maintenant, parce qu'ils aiment bien abréger aussi les titres. De... Oui, les rappeurs ont triché sur le Zouglou. Ce sont les rappeurs qui ont triché sur les Zouglou Men ou les Zouglou Women. Ok, donc toi tu es ex-membre d'un orchestre, qui pendant... qui est accompagné de grands noms du Zouglou, hein, dont notamment... Desi Champion, Molière, Petit Denis, Atito Pata, Espoir 2000. Et tu as été aussi choriste et chef d'orchestre, un orchestre qui est renommé, c'est celui de Magic Diesel. Voilà, pendant 7 ans. Ouais. Et tu t'es lancé désormais en carrière solo depuis quelques temps maintenant. Oui, ça fait 4 ans. 4 ans, ça se passe bien. Oui, on va doucement, doucement, mais ça va. Doucement, doucement. Mais en tout cas, tes chansons résonnent très bien. La preuve, c'est celle que tu nous as servie en ouverture d'émission. Bienvenue sur le plateau d'Allume la télé. Merci. Donc, je peux saluer.
Juste en face de toi, il y a Ngoran Yannick, qui est le vice-président de IYF, que je salue à l'instant, qui est l'International Youth Fellowship. Comment on peut traduire ça en français ? Organisation mondiale pour la jeunesse. Organisation mondiale pour la jeunesse, dont vous organisez des programmes pour les jeunes, la preuve avec ce grand rendez-vous qui va avoir lieu. Dès demain, nous avons un grand rendez-vous pour un programme linguistique appelé IYF English Speech Contest. Contest, c'est un concours d'anglais. C'est un concours d'oratoire d'anglais qui est organisé par IYF et dont les participants, les candidats sont des collégiens et des lycéens de Côte d'Ivoire. D'accord, on va avoir tous les détails dans un petit moment, mais déjà, welcome. Merci bien. Ouais, voilà, et puis à nos amis, parce que je crois que dans le public, on a quelques contestants. Oui, nous avons des finalistes. Okay. Les finalistes même, d'accord, ok, donc c'est le final round. Allez, bienvenue, c'est en anglais aussi hein, ce qui est écrit sur son chapeau, c'est Miss Suck Life here. Azazul Satellite, qui est l'une des vedettes de la musique Biama en Côte d'Ivoire, ancien danseur bouillonnant d'ailleurs, qui était aussi ancien membre de la team de Poi, bien connu en Côte d'Ivoire. Et puis il s'est lancé en carrière solo depuis 2020, donc ça fait 4 ans un peu, donc 4 ans comme Mala, avec des hits qu'on a tous appréciés. Et il nous ramène ce soir de la nouveauté qu'on va partager sur le plateau d'Amina Télé. On lui fait donc le welcome avec des ovations bien soutenues, s'il vous plaît. Azazul Satellite. Manassé premier parmi nos invités. Est-ce que j'ai besoin de te présenter? Ah, enfin, tu es tellement polyvalent, tu chantes, tu parodies. Ton team de bras. Tellement le pays a dû, même Mauritanien fait Zouglou maintenant. Oh. Voilà, toi, tu es... Manassé premier. C'est depuis combien de temps que tu chantes maintenant? Parce que c'est depuis 2000... Depuis 2000... 10 ou... Non, depuis 2004-2005. Ah ouais, bien avant ça. J'ai fait l'orchestre avant d'être en solo. C'est ça. Parce que chanteur, humoriste, on fait ton team de bras. Ouais. Voilà. Et toi, tu chantes... les Zouglou, maintenant, tu m'as ici humoriste. Quand il y a trop de chanteurs, il devient comédien. Tu es polyvalent. Et tu chantes en plusieurs langues, hein, Dula, Guéré, Bété, Baoulé. Ouais, c'est super ça. Et ta polyvalence t'a permis aussi de t'exprimer, je le disais, dans le genre musical, du Yusumba, du reggae, de l'afrobeat, de la comédie musicale aussi. Oui, la comédie musicale. Et c'est dans la comédie musicale qui a été révélée à Bonjour 2018. Mm-hmm. Voilà, la comédie musicale, l'humour dans le Zouglou. Mm-hmm. Voilà. C'est sympa. On aura droit aussi à cette branche de ton talent ce soir. Tu as remporté des prix, hein, préalablement. Le prix Yekangoa, le prix Jam Vacances de la radio, le prix Papa François Cognan avec Radio Jam. Meilleur artiste 2023 à la RTI pour le clash musical. Tout à fait. Franchement, bravo. Et tu n'as pas toujours résidé à Abidjan. Hein. C'est en 2018 que tu as décidé de venir t'installer à Abidjan. Avant ça, tu étais... À Yam Sokro. Donc, tu es un enfant de Yakro. Tu es né là-bas. Un enfant de Yam Sokro, comme Amiral en cas de cas. Voilà. C'est après un spectacle de Bonjour. Okay. On dit, mais toi, tu fais quoi ici? Tu penses que tu gagnes l'argent? Viens à Abidjan, hein. Je suis arrivé à Abidjan. C'est là qu'il a compris que Skinny est joli dans piscine, mais Apoutou est joli dans fête des mecs. Et voilà, on va passer comme ça un très bon moment ce soir. Azazul Satellite, avant d'explorer les nouveautés que tu nous apportes, bien sûr, dans cette émission, on va se faire un petit tour sur la toile, retrouver des challenges. Des challenges qui ont été provoqués, générés, suscités par ta créativité musicale. Let's go. Là-bas.
Et voilà, le titre c'est Marie-Paul Adjé, c'est la nouveauté de Azazu Satellites qui ouais, est déjà très 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 bien sur TikTok. Alors, quelle idée de rendre, c'est un hommage hein, à Marie-Paul Adjé, actrice et femme. Ouais, ouais, ouais. En gros aussi, c'est pour rendre hommage à toutes les femmes dynamiques, courageuses. On a bien aimé la série Makiza. Oui, qui a eu un énorme succès. La série Makiza, ça partait de la série. On a tellement bien aimé son rôle dans la série que l'inspiration est venue tout d'un coup comme ça au quartier avec les amis et on a vu que c'était du bon. Donc on s'est concentré, on a allé au studio et puis on a frappé le son. Super. En tout cas, elle a excellé justement dans cette série par son jeu, ses expressions, ses répliques qui sont devenues très vite cultes. Ce caractère de, on va dire, de fille de Yopougon. Voilà, effectivement. C'est ça l'idée. Mais Jean-Michel, on le cherche à Boisseau. Hein. Ah ouais? Il y a un agneau qui faisait Biama là. C'est 10 000 sont tombés, puis on jette les pieds haut. Mm-hmm. 10 000 fiefs, il y a 10 000 est perdu. De toute façon, il a pleuré, finira qu'il a eu là-bas. 10 000 agneaux. Donc. Annie, on en comprend. Ah, c'est fort. Dis-moi, Annie. D'accord. Et toi, tu viens de quelle ville de Côte d'Ivoire? Bon, moi, je viens de Boisflay. Boisflay, d'accord. À Boisflay, on parle. Bon, moi, je suis né à Boisflay. Je ne suis pas né dans mon village. Mm-hmm. Je suis né à Boisflay. D'accord. Mais tu n'es pas de Boisflay? Non, je ne suis pas de Boisflay. D'accord. Je suis né là. Sinon, toi, tu es d'où? Saint-Fra. Ah, d'accord. Ok, super. C'est bien ça. Allez, tu te présentes comme le président des Biamasseurs. J'espère que l'expression est. Ouais. Est bien formulée. C'est ça, c'est juste. Hier, sur le plateau d'Allume la télé, on avait Kalo Mama. Ouais. Qui était venu nous saluer. Nos enfants. Ouais, et qui accompagnait sur scène Ovie Camp. Oui. C'est lui le créateur de la danse Biama. Bon, au fait, le Biama, c'est un nouveau style de danse qui existe depuis longtemps. OK. Voilà. Et ce sont ces enfants-là qui ont mis un peu les pas de danse en valeur. Et il a fallu aussi que nous, les artistes de la nouvelle génération, on puisse apporter un plus sur la danse. Donc, le Biama, c'est la nouvelle manière de chanter et la nouvelle manière de danser qui va avec. Mmh. Parce qu'avant, autant d'Arafat, on savait que c'était casserole, marmite, assiette, salto. Ça, c'était le style. Mmh. Maintenant, c'est passé. Okay. Biama, maintenant, on ne s'étreigne pas, rien. Le Biama a été créé à Sikoji Selme Gautam. D'accord. Voilà. Et cette chanson, Marie-Paul Adjé, c'est une chanson aussi c'est du Biama? Oui, c'est du Biama. D'accord. C'est du Biama. Ok. C'est du Biama. Et comment la toile accueille la chanson? Parce que généralement, vous montez en 10 000, 20 000, 30 000, parfois plus de ouais, beaucoup, de challenges. Personnes. Ouais. Les statistiques sur TikTok en ce moment, ça monte Ouais, ça monte. D'accord. Est-ce que la concernée est entrée en contact avec toi? Est-ce que tu as déjà échangé avec elle? Ouais. Lorsque j'ai lancé le premier challenge, elle a vu mon post et elle est rentrée dans les commentaires. Elle m'a juste dit, je ne prépare ma vidéo. Mm-hmm. Voilà, il y a quelques mois de cela. Okay. Elle m'a dit, je prépare la vidéo, mais je n'ai pas reçu la vidéo. D'accord. Mais le son n'est pas sorti officiellement. Le son n'est pas encore sorti officiellement. Peut-être qu'elle attend la sortie officielle du son pour pouvoir c'est ça aussi. Partager la vidéo. Et donc, ce que tu vas nous faire aujourd'hui, c'est une exclusivité. Tu nous donnes l'exclusivité du son. Effectivement. Il y aura une prestation dans cette émission. Oui. Sur le site Marie-Paul Adjé. Mais qu'est-ce qu'elle représente pour toi en tant qu'artiste, au-delà de l'excellente actrice qu'elle est? Bon, moi d'abord, je respecte beaucoup les acteurs. Mm. Je les respecte beaucoup. Quand il y a un film, là. Pendant que je regarde le film, là, je pense en même temps à comment ces acteurs-là arrivent à tenir pendant qu'il y a du monde devant eux. À jouer des personnages qui ne sont pas en réalité. Voilà, donc ça fait. Moi, je respecte déjà les acteurs. Voilà. Ça seulement. Bah là, c'est le premier. Toi, t'es pas encore passé au cinéma pour le moment. Non, probablement pas. Ouais. Mais déjà, c'est en cours. OK. Parce que bientôt, très bientôt, okay. On est déjà dans le tournage. Ouais. Mais de toute façon, l'humoriste ou le comédien n'est pas c'est loin. Pareil, de... c'est, voilà. C'est pareil. Puisque d'abord, nous sommes formés comme comédiens. Mm. Parce que moi, j'étais déjà à l'école de formation au Kourou Théâtre de Yamoussoukro. Donc déjà, la base même, c'est le théâtre. Mm. Mais après, on commence à voir que les humoristes, voilà, le one-man show, on s'est mis déjà dedans. Mm. Actuellement, c'est là. Hein. C'est là, on cherche. Ouais, D'accord, c'est top. Mala, ça va? Oui, ça va. Alors, Mala, on va regarder ensemble quelques vidéos aussi de challenge. C'est l'une culture dans cette émission, de partager toutes les effervescences TikTok et autres réseaux sociaux de nos artistes conviés. D'accord. Alors, Mala,
nom de scène, c'est Mala Prospérité ou c'est Mala tout court? Mala Prospérité. Mala Prospérité, oui. D'accord. Mala, c'est je sais pas, parce que j'ai vu que ça s'écrivait Ma, ouais, espace, La. Ouais. J'ai juste voulu me différencier du grand Onel Mala. OK. Parce que, bon, Mala, normalement, en BT, ça veut dire la joie. OK. Ah, c'est en BT, Mala. Maintenant, chez la Yakuba, ça veut dire je suis sauvé aussi. OK. En BT, la joie, et chez la Yakuba, joie, je suis voilà. Sauvé. En BT, on dit normalement Mala. Tu vois, mais moi, j'ai voulu simplement m'appeler Mala. D'accord. Et pour exprimer quel type de joie? La joie que tu as de vivre, la joie que tu veux transmettre à ton... quelqu'un qui apporte la joie. Public? Oh, OK. Quand je suis quelque part, j'apporte la joie. Donc, j'ai préféré me faire appeler Mala. D'accord. Tu as été choriste longtemps d'artistes que j'ai pris le temps de citer il y a un petit moment. Oui, c'est cela. Est-ce que, maintenant que tu t'es lancé en solo, il y a une possibilité de collaborer avec ces derniers? Est-ce qu'ils t'ont apporté aussi une sorte de regard sur... Pour l'instant, il y a quelques-uns qui me donnent des petits coups de main. Mm-hmm. Mais avec le temps, je pense que ça suffira. OK. D'accord. Bah, c'est super. C'est sympa. Allez. On va parler musique et on va s'exprimer. On va te laisser t'exprimer sur scène, Azazu Satellite, avec ton titre, Marie-Paul Adjei. Est-ce que tu as accompagné le danseur? Ouais. Ils sont là. D'accord. Donc, on t'accompagne. La scène est ouverte. Tes danseurs te rejoignent. Et on profite en musique. Où sont mes billets, ma sœur? Où sont mes tambitis? Y'aime pas, hein? Pour gros, c'est Piyama, Azazu Satellite, t'as dit l'offre, c'est Pania. Bouba magicien! Je sais que Patrick Imbrou, Patrick Bottic est un petit bimou. Le match, tu joues à la Broda, Enzo Chifo. Comment tu bloques, mon fils, c'est Bouba? Piyama, là-bas, c'est gâté. Oh, Abidjan, ici, quand pas des matizas, tu sais que c'est souri. Et j'ai goût de demander, ça qui n'y m'en va. On explique maintenant. 1, 2, c'est qui t'a bloqué? T'appelle Marie-Paul Adjei. Elle a dit chérie, papa de Maïra. Marie-Paul Adjei. En moi tout bien de ça. Elle s'appelle Marie-Paul Adjei. Nouvelle version, c'est Piyama qui coordonne. Appelez, c'est tout. Je les aime, Marie. Ma reste à me parler. Je connais ton bar, Marie. C'est mes chimères, c'est joli, elle est là. Je peux me piquer, mais faut pas des questions de Marie. Marie, donc elle dit. Maman, elle qui? Ah, dis quoi? Il est l'heure de sortir. Un peu de Piyama seulement. Marie-Paul Adjei, tu dis quoi? Fabrice le boss footballeur. Maouh. On est affiés pour mon fils. Où est fâché? T'as coupé la part. Et c'est quel est l'autiste? Prends. J'ai bloqué c'est bien ma ticone. Et mon maman crie. Oh, t'as fait les dents. Et maman tiba. Oh, Marie-Paul, il est venu ici là. C'est quoi c'est ce bloqué? Y'a pas Soukini là-bas. Verdier le monument. C'est rouge à lèvres. 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 Oh, on va pas m'acheter. Marie-Paul. Prince de fantôme noir. Et voilà, c'est l'une des chansons en ce moment phénomène sur TikTok. Oui. Qui vient de nous être présenté en exclusivité par Azazu Satellite. Marie-Paul Adjei, c'est le titre de ce tube. Vous suivez le cinéma, mon cher Ngoran, Yannick? Le cinéma, vous le suivez? Oui, je suis le cinéma également. Le cinéma? Je connais très bien l'actrice. Vous connaissez bien l'actrice? D'accord, OK. Vous avez aimé son jeu aussi dans Maquisard? Bien sûr. D'accord, OK. Génial. Alors, vous allez parler avec nous donc, de ce rendez-vous. Déjà, International Youth Fellowship. C'est un mouvement qui existe depuis un bon nombre d'années maintenant. Bien sûr. Ouais, combien d'années précisément? Et depuis 2001, l'organisation IYF existe. Donc c'est quasiment 23 ans. Et tout est parti depuis la Corée du Sud.
à partir d'un monsieur, docteur Oxopa, qui est sud-coréen, qui a fait la rencontre d'un jeune qui vivait dans une famille nantie, mais sa famille était dans l'incapacité de pouvoir recadrer, d'encadrer ce jeune-là, qui portait sur lui une arme, qui se droguait. Et ce monsieur Oxopak, il a pensé qu'il était important de pouvoir apprendre à ce jeune à vivre par sa mentalité. C'est-à-dire que la vie qu'un individu mène est en fonction de la mentalité dont dispose cet individu. Mmh. Donc il est important de vérifier l'intérieur de cette personne et de lui inculquer des valeurs assez positives. Mmh. Donc l'ONG IOF travaille certainement sur l'éducation au changement de mentalité qui s'appuie sur trois piliers essentiels, c'est-à-dire la réflexion profonde et la maîtrise de soi et puis ensuite l'échange. Donc si les jeunes sont dotés de ces trois valeurs-là, il y a la possibilité que ces jeunes deviennent de vrais citoyens de demain avec une mentalité renouvelée et qui peuvent même participer à l'essor économique et social de leur pays. Mmh. Et en Côte d'Ivoire, nous existons depuis 2002. Et grâce à IOF, la vie de milliers de jeunes en Côte d'Ivoire a été impactée. Plusieurs vies ont été changées. Et des jeunes qui participent sur plusieurs aspects du pays, dans l'employabilité, dans la vie culturelle, dans la vie sociale. Nous avons même fait des activités au niveau des Boaké pour accompagner nos frères qui vivent, qui souffrent de l'ulcère de Burili. L'équipe médicale venue de la Corée du Sud a porté un projet qui a été vraiment significatif dans cette région. Et nous avons plusieurs activités que nous faisons dans le domaine de la formation, dans le domaine culturel. Nous organisons des plateformes internationales telles que le Camp Mondial qui réunit des jeunes du Côte d'Ivoire et des jeunes d'ailleurs pour vivre ensemble pendant une semaine pour la formation et pour beaucoup de choses encore. D'accord. Et au chapitre de ces activités, il y a le concours d'art oratoire en anglais. Bien sûr que le concours d'art oratoire d'anglais est l'une des activités sur l'aspect linguistique de IOF. Et c'est un projet que nous avons commencé depuis le mois de février, le 17 février, et qui s'étend sur toute l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Notre cible, c'est les collégiens et les lycéens. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit qu'il est important de créer déjà cet espace d'expression pour les jeunes de Côte d'Ivoire, mais surtout d'accompagner toutes les actions du gouvernement dans la promotion de l'excellence. Et donc nous avons porté ça à cœur et nous avons visité plusieurs établissements. Plus de 1000 jeunes ont été touchés par ce programme et ont suivi plusieurs phases éliminatoires jusqu'à ce qu'actuellement, nous n'avons que 20 candidats qui vont s'affronter pour demain, la grande finale. D'accord. Alors à cette finale, j'imagine que tous ces... Comme dans toute compétition d'ailleurs, il y a un certain type d'épreuves auxquelles sont soumis les candidats pour en tirer les meilleurs, le vainqueur. Sinon, je ne sais pas s'il y aura un top 3 ou s'il n'y aura sûrement qu'un seul vainqueur sacré à cette compétition. Effectivement, il y aura un sacré vainqueur, le Grand Prix, mais également aussi les autres candidats qui suivent seront récompensés. L'idée est que nous sommes partis de certains thèmes qui sont assez intéressants, des thèmes qui permettent aux jeunes de pouvoir se positionner sur les faits de société, c'est-à-dire la drogue en milieu scolaire, les congés anticipés et plusieurs mots qui minent la jeunesse d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'un jeune de Côte d'Ivoire, par le moyen de l'anglais, parvient à se positionner et donne ses solutions aussi pour pouvoir participer à toutes ces choses. D'accord. Donc il s'agit donc dans les différentes prises d'intervention des finalistes de proposer des solutions à des challenges, à des faits, des problèmes sociétaux. Effectivement, des faits sociétaux, ils se positionnent, ils présentent des faits et c'est un discours pour pouvoir convaincre l'auditoire à les accompagner dans leur réflexion et dans leur participation aussi au changement du pays. Et il y a eu des phases écrites dès le départ où plusieurs personnes ont été éliminées. Par la suite, nous avons fait des compétitions régionales. Et après les compétitions régionales et communales, nous organisons maintenant la finale nationale avec les représentants de chaque région de Côte d'Ivoire. D'accord. Et cette finale va se tenir où, précisément ? Bien sûr, la finale va se tenir demain, à partir des 10h, à l'amphi Félix Houphouët-Boigny, situé à l'ENA, l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire. D'accord. OK. Et combien de finalistes vont s'affronter demain ? Il y aura 20 finalistes demain. Répartir comme suit 10 candidats dans la catégorie des collégiens et 10 candidats dans la catégorie des lycéens. Ok, et chaque finaliste a combien de temps de parole et combien d'épreuves ? Peut-être c'est un seul tour de... Oui, chaque candidat a un seul tour et a une prise de parole de 5 minutes pour pouvoir convaincre tout le public qui va le suivre. Mmh, super. Et généralement, quel est le profil de ces collégiens ou lycéens-là ? Vous prenez les meilleurs en anglais qui participent ou c'est juste volontaire, c'est-à-dire que j'ai envie de participer, je me propose, ou c'était quoi les critères de sélection ? Voilà, nous avons proposé à plusieurs établissements du Côte d'Ivoire de mettre à notre disposition les meilleurs élèves de leurs établissements en anglais. D'accord. Et c'est par là que tout est parti. D'accord, donc finalement, le vainqueur de cette compétition risque d'être vu aussi comme le meilleur, les plus éloquents des meilleurs élèves en anglais de Côte d'Ivoire. Bien sûr. Ça ressemble un peu à ça. D'accord. Ok. On a déjà deux finalistes qui vont prendre part dans cette émission, juste derrière nous, en polo rouge.
Voilà. Ben, déjà, félicitations pour votre sélection. Et puis, on espère que demain, ça va être le feu. Hein. Est-ce qu'elles sont sur le point de nous proposer quelque chose? Ou c'est juste pour participer? Non, si elles ont cette lucarne, elles peuvent intervenir après. Elles peuvent intervenir. D'accord. OK, je vous propose donc de les entendre juste après. On va peut-être tout de suite aller en immersion dans le grand rendez-vous culturel du moment africain. C'est le FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anumabo. Nous avons notre reporter qui s'y est rendu pour nous ramener les images de la cérémonie d'ouverture et des premières ambiances, bien sûr, de cette belle plateforme internationale. En immersion au FEMUA 2024, à la 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anumabo, nous avons été témoins d'un événement d'une intensité exceptionnelle. Le 16 mai, à l'INGS, la scène s'est enflammée sous le talent des artistes Sona Jabaté, musicienne gambienne, et Patche Dirima, artiste guinéen, qui ont électrisé l'atmosphère avec des prestations de qualité, transportant les fans dans une ambiance magique. D'autres artistes, et non des moindres, ont apporté leur contribution à la réussite de l'événement. Fadalde, les patrons, ont fait vibrer la foule grâce à leur rythme énergique et leur créativité époustouflante. Cependant, le point culminant de ce festival fut incontestablement la performance incomparable de la star internationale Jims. Ses mélodies envoûtantes et sa voix puissante ont su toucher les cœurs de tous les spectateurs présents. Avec sa présence charismatique et ses tests forts, Jims a véritablement représenté la jeunesse et son aspiration à un avenir meilleur. Sheila, ils ont trouvé tout le village. Ils ont dit, bébé dans cette fille-là. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, si je vous gêne, parce que la mer. Malgré les intempéries, la présence d'un public nombreux a souligné l'importance de soutenir la diversité musicale africaine, renforçant les liens entre les différentes communautés unies à travers la musique. Au-delà de ces moments artistiques, le thème du FEMUA 2024, consacré à la jeunesse et à la santé mentale des jeunes, a été au cœur de cette cérémonie. Il a suscité une réflexion collective sur des enjeux cruciaux, renforçant ainsi l'engagement en faveur des jeunes et de leur bien-être. La première journée de ce festival international a été bien plus qu'un simple rassemblement artistique. Elle a été le reflet d'un monde en pleine effervescence où la jeunesse est pleinement engagée dans la création d'un avenir prometteur. Et voilà, nous sommes de retour en plateau avec un grand merci à notre reporter qui a suivi pour nous donc ces premières journées du FEMUA. On va, pour les jours à venir également, vous proposer des invités artistiques du FEMUA qui viendront sur le plateau, bien sûr, d'ALT, pour partager un très bon moment avec nous et surtout pour vous enjailler, comme on parle d'ailleurs, parler ivoirien, pour vous enjailler à la maison. Alors, Malassé Premier, tu as aussi quelque chose à nous proposer pour ce vendredi. Ah, oui. On est relax le week-end. Voilà, on va te donner aussi la scène pour que tu puisses... Comme malade, on ne donne pas conseil. Comment partager ton art avec nous, c'est ça. D'accord. On va applaudir bien fort, Malassé Premier. Non, non, non. Deux.
On a menti quand on porte veste maintenant. Zouglou. Mais Manassi, apparemment, ça va bien pour toi, hein, l'humour. Que faut pas dire ça. Bon, t'as rempli la veste. On va augmenter le loyer. Quand c'est caché, la lettre est ici. Sinon, on est dedans. Mais ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, quand on nous voit, on voit les artistes voyager dans les grosses voitures, les humoristes, les grandes scènes. Mais je vous dis, 10 ans en arrière, Jean-Michel, ça n'a pas été facile. Hein. Ouais, les débuts, on était 17 d'entrée au coucher. T'as dit, tellement il n'y a pas de place pour dormir dans la chambre là. On affile, puis à maison, d'autres dorment en haut, on accroche à maison, puis on dort. Ya! Si il manque, Dieu m'amène en France. Maman, c'était pas facile pour moi, hein. Mais dans la maison où on dormait là, moi et mes amis, mes frères, on se vole entre nous. Tu mets ton arrière dans le placard, on vole. Sous le lit, on vole. Veste. Tu mets où, on vole. D'un jour, je suis allé chanter, ça n'a pas marché, j'ai eu que 10 000 francs. J'ai réfléchi, si il m'amuse, ils vont voler mon argent. Claire. J'ai réfléchi quand il y avait une Bible au chevet de mon lit. Mm-hmm. J'ai dit au moins là, au moins dans la Bible, personne ne peut prendre. C'est ça. Je prends les 10 000 et puis je mets dans la Bible. Mais pas à n'importe quel passage. Mm-hmm. Dans le passage où ils ont écrit « Tu ne voleras point mm-hmm. ». Mais je dors. Je compte sur mes 10 000. Et quand je dors, quand je fais la grâce matinée, je me réveille à midi. J'ouvre la Bible pour aller mettre mon garba. Il reste 1 200. Quoi? Tiens. Mais... ils ont pris, ils ont laissé 1 200, mais pas n'importe quel passage, hein. Non, non. Dans le passage, ils ont écrit, tu partageras avec tes frères. Moi, je me dis, ouais. Il y a des choses dans le pays, hein. Ah. Mais ma voisine a eu un problème très sérieux aujourd'hui. Mm-hmm. Et en tant qu'artiste qui règle les problèmes au quartier, en tant que président des jeunes, on m'a demandé. Mais j'ai dit, comme je viens à la RTI, je vais poser la question, comme il y a les mamans qui sont là, mm-hmm. entre femme et puis garçon même, qui est infidèle? Les femmes, hein. C'est qui? Les femmes. Les mamans, ils sont là. Hein, les mamans, c'est qui? C'est femmes. Les garçons, c'est qui? Les femmes. Ah. Mais, je ne sais pas si ça arrive à chacun de vous ici. Souvent, quand tu dors dans ton rêve, là, tu rêves que tu es en train de parler seul, puis tu parles. Ça arrive à qui ici? Souvent, dans ton sommeil, tu parles seul, mais tu ris seul. Ça arrive à qui ici? Elle, dans son sommeil, elle dormait son mari, mais elle rêve qu'elle est en train de tromper son mari dans le sommeil. Ah. Si elle manque, Dieu m'amène à Gokwe. Ya! Yeah. Elle est couchée à son mari, puis elle crie, lève-toi, mon mari arrive, lève-toi, le mari arrive. Si t'as travaillé à te frapper, lève-toi. Le com, le mari lui-même, dans sa propre maison, il se lève et puis il fuit. Bon, s'il fuyait simplement, c'était bon. Et puis, en fuyant, il dit, monsieur, excuse-moi, je ne sais pas que c'était une femme mariée. Entre les deux, là, qui est infidèle. Zouglou! Zouglou! Vous savez, Manassé, premier, pour ne pas vous donner de l'humour sans qu'on vous donne un peu de musique. Si vous aimez le Zouglou, applaudissez un peu pour vous rappeler. Voilà, allez-y, on peut taper dedans. Hey! Nandé, Aouka, Kassa, Manassé, premier, Zarouka, Oua. Diminuons légèrement le beat là pour qu'on puisse se mettre dans le tempo. Issa Wali, Issa Witi, Mamie. Oui, Issa Witi, Mamie, yeah, yeah. Sole Kanuka, Sasuka, Chenou, Ranzouglou, ça reçut toujours. Manouassa, Manouassali, allume la télé, les métimouro. Anouassa, Kepoporo, Anouassa, Sangalazam, Azongana, Zonganazou. On remet le mot. Zouglou, tu veux pas, c'est la musique. Manassé premier n'attend pas Zouglou, tu veux passer la musique Zouglou, tu veux passer le Zouglou. C'est ça qui a dit sur la messe. C'est la musique de chez moi. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Zouglou? Écoutez ensemble cette histoire. Les mamans, on écoute ensemble cette histoire. Avant de chanter, j'aimerais d'abord vous poser la question. Poula, est-ce que vous avez la foi? Répondez oui, on a la foi. Jean-Michel Honneur, est-ce que tu as la foi? Oui, j'ai la foi. Les mamans là-bas, est-ce que vous avez la foi? Vous savez, souvent Dieu nous teste pour voir qui a vraiment la foi. Bravo. Si, si. Voilà un pasteur dans mon quartier, pendant qu'il prêchait et il a eu un malaise. Donc son ventre là, ça le fatiguait. Donc il rentre dans les toilettes publiques pour aller se soulager. Dès qu'il finit de se soulager, je vous dis, le but un peu en bas légèrement pour qu'on puisse se comprendre. Voilà, légèrement le but en bas. Le but en bas, voilà. Le pasteur finit de se soulager. Au moment de se rincer, de se nettoyer là, ils ont coupé l'eau.
En même temps, il n'y a pas Lotus. Qu'est-ce qu'il va faire pour se nettoyer? Mais c'est là, on va voir la foi du pasteur. Dans la main gauche du pasteur, il y avait un chèque de 20 millions. Dans sa main gauche, il y avait quoi? Un chèque de 20 millions. Et dans la main droite du pasteur, il y avait la Bible. Bon, vous, à la place du pasteur, vous allez prendre quoi pour vous nettoyer? La Bible ou le chèque de 20 millions? Je vais rester comme ça. Hein? Applaudissez pour Makoso, applaudissez pour Makoso, applaudissez pour Makoso. Voilà, je sais que vous n'allez pas trouver. Donc posez-moi la question. Jean-Michel Honneur, pose-moi, c'est à moi, qu'est-ce qu'il allait faire? Et si c'était toi? C'est vous lisez bien la Bible, non? Oui. Si c'était moi, c'était simple. Vous savez, dans la Bible, il y a un passage qui ne me plaît pas beaucoup, où Judas a trahi Jésus, là. Parce que la partie, là, m'énerve. Si c'était moi, il allait déchirer la partie, là, pour me nettoyer. Merci, c'était Manassé premier. On ensemble. Là, il est fort, il est bon. Je demande qu'on l'applaudisse encore une fois. Manassé premier. Bon. Non, tu fais comment? Moi, je ne m'attendais pas à une fin pareille. Franchement, je me disais, mais qu'est-ce qui va sortir comme solution? Là, franchement, bravo. Bravo, Manassé premier. Ça, c'est de la finesse, c'est de l'intelligence. Voilà. Alors, Mala, comment tu as trouvé ce numéro de ouais, Manassé premier? Très bon, très bon. Avec du zouglou, hein. Ouais. C'est ton univers, là. Mais c'est un zouglouman à la base. Comme il a dit, c'est parce que le pays est chaud qu'il a changé un peu de blanc. Sinon, c'est un zouglou. Sinon, c'est un zougloumane. C'est ça. Parce que le zouglou, c'est aussi ça. Hein. Oui. C'est, on passe des messages avec beaucoup d'humour. C'est ça. On parle de nos réalités avec beaucoup de bonne humeur. C'est le seul style musical qui dénonce tout ce qu'il faut et qui donne aussi des bons conseils. Mmh. Mais malheureusement, les gens n'aiment pas le zouglou et je ne sais pas pourquoi. Non, le zouglou a son public. Le palais de la culture est toujours plein hein, quand il y a des spectacles. Génération Gueye-Robert connaît pas Zouglou, c'est ça le problème. D'accord. Est-ce que tu utilises l'humour aussi dans tes chansons oui, pour passer tes messages? Oui, parfois, même dans cette chanson, il y a un peu d'humour où je dis chez nous à Yopougon, on ne travaille pas pour réaliser. Jésus a tout payé à la croix, donc ma maison est paradis. D'accord. Alors, à côté de cette chanson que tu nous as proposée en ouverture, qui était On ne donne pas conseil le week-end, tu as aussi d'autres titres. Oui. Oui. Il y a Assis par terre. Et puis, il y a « Est-ce que tu te connais ?» qui sont déjà sortis. D'accord. Et est-ce que ça fait partie de cette progression, fait partie peut-être d'un projet, d'un album Oui, oui, je compte sortir un album. Mais pour le moment, je suis seul dans ma voix, comme on le dit souvent. Je suis en solo et production, autoproduction. D'accord. Donc, pour le moment, c'est les moyens que je n'ai pas. Donc, je fais avec ce que je peux. D'accord. C'est ce pourquoi je sors les singles. Okay. Mais Manassé premier, il a plusieurs cordes à son arc. Hein. C'est vraiment un grouilleur. Ouais. Est-ce que toi, à côté de la musique, tu as une autre activité qui t'aide aussi à payer tes séances studio Rien que la musique. Rien que la musique. Ouais, rien d'accord. que la musique. Et tu as des sollicitations tout de même? Oui, oui. Dieu fait grâce. Ok. Ouais, d'accord. En tout cas, tous nos encouragements. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on t'a aujourd'hui. J'ai envie qu'on prenne l'actualité de nos mamans qui participent donc à l'émission, parce que la fête des mères approche. Elles ont un rendez-vous, je pense que c'est un rendez-vous qui n'est pas forcément lié à la fête des mères, mais qui a toute sa pertinence aussi. Madame Amessan Christel, de Christem Organisation, va nous en parler. C'est le 24 mai à 18h30 au plateau. Déjà, Christem Organisation, qu'est-ce que c'est? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Si vous sentez bien assise, vous restez assise. Si vous voulez vous tenir debout, n'hésitez pas. Merci. Alors, parlez-nous de cette organisation. Christem Organisation est une association qui a trois principaux axes d'action. Nous travaillons dans l'action humanitaire. Nous faisons des dons aux personnes défavorisées. Christem Organisation fait également de la promotion de l'art et de la culture. Et nous faisons également de la promotion du développement humain. Et donc, autour de ces trois axes, nous avons plusieurs activités. D'accord. Et dans le cadre du développement humain, nous voulons lancer ce concept « Mois de mai, mois de l'ami ». Pour ce mois de mai, nous voulons vraiment mettre en évidence les bienfaits de l'amitié. OK. Voilà. Et nous voulons atteindre quatre principaux objectifs, c'est-à-dire chacun, pour sa part, devra travailler à, par exemple, restaurer des anciennes amitiés. On a souvent des amis qu'on a perdu de vue depuis des années. Il est bon de pouvoir les rechercher et pouvoir renouer. Reconnecter. Voilà. On a aussi le deuxième axe qui est d'entretenir les amis qu'on a. Chaque jour, on les voit tous les jours, on se sent bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour leur montrer qu'effectivement, on les aime? Et donc, poser aussi des actions dans ce sens. Troisième axe, il s'agit aussi de rechercher de nouveaux amis. On n'a jamais fini de s'entourer de personnes de valeur. Et donc, il faut en chercher. Et le quatrième axe, c'est de concilier
les amitiés brisées. Mmh. Il peut arriver des moments où on est avec des amis mmh. et pour une raison ou pour une autre, on arrive à se séparer. Mais il ne faudrait pas rester là. Il faudrait pouvoir renouer les liens. Mmh. Et donc, pour lancer ce concept, nous faisons une petite cérémonie le vendredi 24 mai au plateau, au Resto Trésor à 18h30. Et il y aura un conférencier qui va faire ressortir les bienfaits de l'amitié. Il y aura des interventions, il y aura aussi des prestations artistiques. Mmh. Voilà un peu le programme. D'accord, c'est bien compris. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. Manassé Premier, l'amitié, ça t'inspire quelque chose en tant qu'humoriste, l'amitié, c'est bien fait? Ouais, l'amitié, c'est très important. Mmh. Voilà, d'accord. Que Dieu nous donne de bons amis. En tout cas, en Zouglou aussi, on parle beaucoup d'amitié. Hein. Oui. Il y a beaucoup de chansons qui sont liées à l'amitié. Assez bien fait, comme aussi assez à la face cachée parfois. Amitié à deux visages. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est le premier. Tu es en train de préparer aussi un projet musical. Oui, j'ai un album de 10 titres. Voilà, le titre c'est Djoulamousso à la Logodia. On connaît Djoulamousso à la Logodia. Panam, pananam, 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 panam, panam. Ah, panam, pananam, 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 panam, panam. Il n'y a pas producteur. Sinon, l'album est là. Ce qui m'a fait sourire lorsque je regardais ta bio, je lisais que ton concept s'appelle Afro-pimenté. Oui, l'Afro-pimenté, l'Afro-madinga. C'est un mélange de tout qui est rassemblé à un. Mais pourquoi afro-pimenté, en fait? De porc au fou, faut mettre le piment pour que ça soit bon. Tu connais, frère. C'est la base. Ce gars-là, on peut jamais le surprendre, en fait. OK, c'est génial. Allez, de retour donc à mon ami, à mon cher... Azazou Satellite. Azazou Satellite. D'accord, le Biama aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle de Biama. Dans un petit moment, on va échanger sur. On va passer à un jeu autour de la table. C'est un jeu qui s'appelle. C'est une grande charade. Est-ce que vous savez ce que c'est que les charades? Non, pas vraiment. Non. Vous savez pas ce que c'est que les charades? Une charade? Oui. Charade, soit là, l'école, là, posez-vous pour que ça réponde. Moi, on a appris nous à danse pour cueillir mango. Alors, la charade, c'est simple. Hein, c'est-à-dire, j'explique. Dans une charade, on commence toujours par vous dire mon premier est, mon deuxième est. Vous devinez donc la réponse que vous gardez en tête. Et vous associez les réponses. Lui, entendez. Vous associez les réponses. Et vous trouvez le mot qu'on recherche. Ça va? Je vous donne un exemple simple. Puisqu'on a des bilingues ici. Mon premier, par exemple, c'est. Mon premier signifie mon en anglais. Comment on dit mon en anglais? My. On dit? Ouais. My. My, d'accord. Donc ça, c'est déjà, ça fait my. Mon deuxième est le contraire de dur. Quand ce n'est pas dur, c'est comment? Mou. Mou. Et mon troisième est une autre façon de dire no ou non en anglais. Na. Na. Donc en tout, ça me donne le nom d'une danse. C'est Maimouna. Le Maimouna. Vous voyez que c'est très simple. Ah, voilà. D'accord. Vous voyez un peu? Mais pourquoi il n'a pas pris exemple sur le Zouglou et puis c'est Maïmouna? Bon, ça peut arriver. On peut vous donner aussi la chance de partir sur du Zouglou. D'accord. Alors, donc si vous êtes OK, on va aller sur ce petit jeu autour de la table. Et si vous avez des réponses aussi, les bonnes réponses dans le public, vous pouvez participer. OK? Alors, donc on va aller sur notre première question. On joue pour découvrir des noms de présidents de République. Donc, je vous ai donné déjà l'indice. C'est très facile. OK? D'accord. La première question est la suivante. On va jouer avec le public déjà. OK. Mais si, voilà. Mon premier est le synonyme de Daba. La Daba, le synonyme de Daba. Mon deuxième est une sorte de chicotte qui a inspiré la danse de l'équipe de football congolaise, ou même du groupe Team Peya. Mon premier, je répète, est le synonyme de Daba. Mon deuxième est une sorte de chicotte qui a inspiré la danse de l'équipe congolaise. Mon tout forme le nom d'un président africain. Qui suis-je? C'est tellement facile. Ah, j'ai une main qui se lève là. D'accord, vous avez un micro baladeur, faites passer le micro. Qui suis-je? Allez-y. Je suis Kofi Lambert, de Christem Organisation. D'accord. La réponse est Oufoué. Alors, pourquoi Oufoué? Mon premier, le synonyme de Daba, c'est Où. La Où. Oui, la Où. Et mon deuxième est une sorte de chicotte. Fouet. Le fouet, voilà, ou fouet. Voilà, très bonne réponse, on peut l'applaudir. Cadeau pour lui, de la part de Cédric. Ah, c'est bien, hein. Ah ouais. Vous voyez que c'est pas compliqué, non?
Voilà, c'est ça la grande chance. C'est pas compliqué. C'est juste que là. Ouais. Ça fait beaucoup réfléchir. D'accord. Le deuxième président maintenant qu'on va rechercher, écoutez très bien la question. Ça va ? J'ai l'attention de tout le monde ? Ouais, ouais. Mon premier est un parasite qui se retrouve souvent dans les cheveux. Mon deuxième signifie adolescent en anglais. Mon tout forme le nom d'un président européen. Qui suis-je ? Vous avez la réponse ? D'accord, on va tenter d'aller vers le public parce que là, il y a quelques noms. Allez-y. Ouais. Moi, c'est Hans Boris Biagua Djako et je pense que la réponse, c'est Poutine. Poutine. Alors, mon premier est un parasite qui se retrouve dans les cheveux. Vous pensez à quoi ? La poux. Une poux. Non, un poux. Un poux. Alors, mon deuxième signifie adolescent en anglais, c'est ? Teen. Teen. Donc, ça fait Poutine. On peut l'applaudir et lui donner son cadeau. Bravo. Ah, c'est vraiment la voix qui vient. C'est pas venu vers nous, hein. Sinon ça là, c'est moi, on avait... Non, tu as rien trouvé, hein, ouais. Allez, troisième. Celui qui n'a pas trouvé ça, là, vraiment, c'est qu'il y a un problème dans sa tête. Là. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Mon deuxième est à la fois une lettre de musique et une partie du corps humain qui peut porter un sac. Mon tout forme le nom d'un président, qui suis-je? Vous avez la réponse, je suis sûr que vous avez la réponse. On va jouer avec le public. Allez, oui. Je me nomme ça Alain Victor. Oui. Je pense que ça doit être notre président de la République. D'accord. Ado. On peut l'applaudir. Allez, comment ça tournait dans la tête? Non, il y a un paquet, voilà. Donc la première lettre de l'alphabet, la réponse était A. Et puis mon deuxième est à la fois une lettre de musique et une partie du corps qui peut porter un sac. Do. Donc ça fait Ado, voilà. Bravo encore une fois. Tu l'avais trouvé aussi, bien sûr. Ok. Allez, on part donc pour l'autre question. On cherche toujours le nom d'un président africain. Écoutez très bien. Mon premier est l'état dans lequel se trouve une bouche étonnée, surprise, dépassée. Je répète, mon premier est l'état dans lequel se trouve une bouche étonnée, surprise, dépassée. Mon deuxième est la prononciation de Dieu par les Nouchis. Mon tout forme le nom d'un président. Qui suis-je ? Je répète, mon premier est l'état dans lequel se trouve, une bouche qui est étonnée, surprise, dépassée. Et mon deuxième est la prononciation de Dieu par les Nouchis. Mon tout forme le nom d'un président. Qui suis-je ? Ah, celui qui va trouver ça. Ok, il y a deux mains qui se lèvent là-bas. Prenez le micro, faites monter le micro. Allez-y, vous nous proposez ? Bonsoir. À mon Jean-Michel. À mon Jean-Michel, d'accord. La réponse est Bédier. Bédier. Donc, on va vérifier le process. Mon premier est l'état dans lequel se trouve une bouche étonnée, vous répondez ? Bouche B. B, d'accord. Et mon deuxième est la prononciation de Dieu par les Nouchis ? Dier. Très bonne réponse, on peut l'applaudir. Ah, ils sont forts quand même. Ouais, c'est bien. Vous n'avez même pas la réponse. Bravo, Michel. Tu as confirmé que les Michel sont toujours brillants. Ouais, super. D'accord. Allez, on va maintenant jouer sur les pays. Ah, d'accord. Sur les pays. Tenez-vous prêts, les amis. Première question. Enfin, la charade pour les pays. Mon premier, c'est dit de quelqu'un qui est stupide. Mon deuxième est le mot ivoirien pour chérie ou copine. Mon tout forme le nom d'un pays africain. Qui suis-je ? Je répète, mon premier se dit de quelqu'un qui est stupide. Mon deuxième est le mot ivoirien pour chérie, copine. Et mon tout forme le nom d'un pays africain. Qui suis-je ? Ah, on a une main de ce côté. Allez-y, passez-lui le micro. Hein ? Vous vous présentez ? Oui, Ariel Ange Michael. On n'entend pas ce que tu dis. Nous, c'est Danwe Ariel Ange Michael. Danwe Ariel Ange Michael, d'accord. Je pense que la réponse est Congo. Congo. Alors, mon premier se dit de quelqu'un qui est stupide. C'est un con. Mon deuxième est le mot ivoirien pour chérie, copine. Mago. Mago, go, super. Congo, bravo, on peut l'applaudir. Bravo, Michael, c'est très, très bien. Allez, deuxième pays. Mon premier, là, on va jouer autour de la table. Je vais voir si vous êtes prêts. Autour de la table. Ça, c'est pour vous, celle-là. Mon premier est une partie du squelette préférée même par les chiens. Mon deuxième est un prénom gourou. Mon troisième est un meuble qui sert au coucher.
Mon tout forme le nom d'un pays du monde. Qui suis-je? Libye. Pardon? Libye. Libye. Et pourtant, j'ai dit, mon premier est une partie du squelette préféré par les chiens. Non, c'est pas Libye, c'était pas la bonne réponse. Je répète. Mon premier est une partie du squelette préféré même par les chiens. Mon deuxième est un prénom gourou. Mon troisième est un meuble qui sert au coucher. Ah, il y a des mains qui se lèvent déjà dans le public. OK, ce côté-là, on n'était pas arrivé. Venez. Prenez, passez le micro à la dame qui a levé la main. Oui. Je suis Kwasi Marie-Élodie. Vous êtes Kwasi Élodie? Oui. D'accord. Alors, Élodie, levez-vous. Levez-vous, Élodie, voilà. La réponse, je pense que c'est Australie. Vous dites Australie, on va vérifier. Alors, mon premier est une partie du squelette préféré, même par les chiens, c'est Os. Os, d'accord. Mon prénom, enfin, mon deuxième est un prénom gourou. Tra. Tra. Et mon troisième est un meuble qui sert au coucher. Le lit. Donc, ça fait Australie. Très bonne réponse, on applaudit bien fort. Alors, votre cadeau arrive. Oui, les gars, vous voyez que c'est pas facile. Il faut respecter les gars du public. Ils sont bons. Allez, troisième donc, proposition. Mon premier signifie, on cherche toujours un pays. Mon premier signifie patron en anglais. Mon deuxième est le surnom du rappeur ivoirien MC One. Mon tout forme le nom d'un pays africain. Qui suis-je? Ouais. Botswana. Vous pensez au Botswana? Donc, mon premier est... Enfin, signifie patron en anglais. Boss. Boss. Mon deuxième est le surnom du rappeur ivoirien MC One. Le Wana Wana. Donc, ça fait Boss Wana. Bravo, très, très bonne réponse. OK. Bon, pour ceux qui sont sur le plateau, vous n'avez pas droit au cadeau. Ça, c'est juste le prestige d'avoir une bonne réponse. Mais on va jouer avec le public maintenant pour terminer. Allez, j'ai encore un nom de pays. Mon premier signifie tout en anglais. En anglais. Et mon deuxième est un poisson sec en Côte d'Ivoire. Allez-y, les mains se sont levées très vite de ce côté. Allez-y, vous avez qui a le micro baladeur? Moi. On va donner à une fille cette fois-ci, j'ai pas beaucoup entendu les filles. Jean-Michel. Allez-y. Allemagne. Oui. Vous avez la réponse? Oui. D'accord, allez-y. Mon nom c'est Bia Emerod Grace Ariella. Parlez un peu plus proche du micro. Mon nom, c'est Bia Emerod Grace Ariella. OK, Grace. Ouais. Et je pense que la réponse, c'est Allemagne. Allemagne, on va essayer. Alors, donc, tout en anglais, c'est All. All, donc ça s'écrit, OK. Et le poisson sec en question? Magne. Le poisson magne. Donc, ça fait Allemagne. Bravo, on peut l'applaudir bien fort. Très bonne. Et voilà. Merci à vous d'avoir participé à ce jeu. Est-ce que vous avez aimé la grande charade? Ouais, c'est super. Bah, si vous l'avez aimé, on peut l'applaudir bien fort. Voilà. Tout de suite, le zapping, on revient pour terminer cette émission sur Allume la télé. Moi, lorsqu'on me parle de jeu, ben forcément, comme je le dis souvent, ben c'est beaucoup d'émotions, c'est de beaux souvenirs en fait qui remontent. Je pense que ces jeux, pour moi, ça a changé ma vie, mais ces jeux en France, ça va changer la vie de tout le monde. Et on va vivre ça qu'une seule fois, ça va être quelque chose d'unique. Tu étais manager de Mala. Lui, un moment, il a été manager de Mala. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait. Même en Europe, il y a des artistes qui sont producteurs et managers. En fait, c'est quand elle a son mais moi, label. Après que vous sortiez ensemble. On sort ensemble comment? Tu sortais avec Mala, c'était ta go? Je dis jamais sorti avec Mala. Non, mais pourquoi vous n'êtes plus ensemble? C'est ma bade, c'est ma petite soeur Mala, c'est ma petite soeur. Mais pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Vous voyez, la musique n'a pas, le succès n'a pas de meilleurs amis, vous voyez. Les gens qui ont un peu de points, ils commencent à traîner d'autres personnes, ils oublient leurs amis. Bon, là le rêve est déjà permis, hein. Ouais, non, bien sûr. Voilà, donc on finit le casino. On va essayer de rêver. Non. Bon, tu invites, toi. On va penser à un zénith. Un zénith comme oui. Non, oui, moi, okay. Moi je dis voilà, oui. On va penser à un zénith. Parce qu'on est déjà plongé dans le rêve. Donc, on peut pas, dans le rêve, tout est permis. Tu peux te retrouver sur Saturne, même sur Mars. Donc, c'est on est plongé dans le rêve. On va penser au zénith. Talon veut avoir un deuxième ou troisième mandat. Oui. À travers sa rigueur ou son zèle vis-à-vis de l'AES ou du Niger, particulièrement en fermant la frontière sous l'injonction du maître. Mm-hmm. Mais Talon, qu'il se détrompe. Tout pour
cette émission. Vous souhaite un très bon week-end à tous et à toutes. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi surtout. Allume-la à lundi 18h15. Merci à tous nos invités. Merci le public d'être venu. On se tient tous debout. Merci à mon équipe en studio, enfin en régie et en studio. Allez, plein de bonheur. Et on termine avec Azazul Satellite et sa chanson La Machette. Attendez-vous à nous, c'est pas froid, hein. Show! Les fans, c'est comme moi. Belle à la pote à tuer le mix. Azazou, ça a été libéré, t'es chaud, bon papa est fâché. Monsieur Aron, t'es coupé. C'est gamin, Roman. Matikidimatikita, les Chinois, grand carrefour de Medellin. Matikidimatikita, c'est blanc. Nouveau quartier en position. Le même Chinko, écoutez. Agogo, agogo, tassé. Matikidimatikita, donc, les fans, ça nous go le boss. Tiki, tu peux t'y bisouper, y'a quoi? Yeah. On n'est pas venu pour trop chanter, mais pour trop danser. A des baillons, yeah. Papa déjà il a Yano la paillasse. Élément concret. On n'est pas venu pour trop chanter, mais pour trop danser. Philippe est en coup, le drapeau noir. Lewandowski, Yanouche, bâton. Le bâtonnier, je suis côté là-bas. La musique ivoirienne nous permet de voir jusqu'à l'horizon. Mélodie. Le boss Steven Pellou. Revenons à nos moutons. Coucou, coucou, coupez les gars, les biseurs. T'as vu ça comment? C'est pas compliqué. Machette ta gare, fais un peu tout tiguer. A jamais les dents choco, le commissaire de la rue. La tempête est sous le papa zé. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Venez danser la machette, c'est pas du tout compliqué. Belle à la pro d'être fâché, à la rive va tout gâter. Les papas, les mamans, les tontons, venez danser le papa, passe la gare. Je fous là, on dirait le miracle, le boulot bébé. Tous maman connaît Valérie. Capel Gucci, papa de Brian, t'es calé. C'est à goûter, non? C'est doux, comment t'es coupé? Manu, Manu, le Brésilien. C'est quoi? C'est qui ça? Yanoucha, Yanoucha, Bétancourt. Jeff Aria, vie, Gina, les sous. La tigresse, on est là, j'ai fait des terres, c'est commun. Tremblement d'été, pas les loups. Je l'ai, mignon, casse de Chine. Mon fils, pouh, est fâché. Tika, tout bout, ma, tikita, tapez des dents. Hé, oh, m'acheter, ah, aiguisé, oh.